Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo pas très spéciale puisque vous avez vu les stories. Du coup, je vais faire deux vidéos, enfin une vidéo sur l'un et une vidéo sur l'autre. Aujourd'hui, on va en mettre l'un des deux et la prochaine fois, on va en mettre l'un des deux et je vais vous parler de ces deux-là. Par exemple, aujourd'hui, on va faire le rouge. Bref, je sais pas encore, je vais demander à ma mère parce que je ne sais pas du tout. Et voilà. De toute manière, vous allez voir au fil du temps comment je vais gérer mes vidéos. Vous allez voir. Et bref, là, on va faire l'un des deux. Du coup, je vais vous parler de l'un des deux. Et voilà. Du coup, je vais demander. J'espère que vous avez vu mes stories. Du coup, j'en ai fait une pour savoir lequel vous préférez. Du coup, je vous ai fait deux photos aussi. Sur Instagram, du coup voilà, et suivez-moi sur Instagram et suivez-moi sur TikTok. Je vais demander à ma mère. Donc même ma mère, elle savait pas quoi choisir. Du coup, elle m'a dit que les couleurs claires m'allaient mieux. Alors clairement, je suis tout à fait d'accord, mais bon. Bref, passons à autre chose. Du coup, je vais mettre le prune aujourd'hui. Du coup, je sais pas. Il m'attire. Du coup, on va prendre le prune et lui, on va le ranger. Je vais le mettre ici, comme ça, je vais m'en souvenir que je devrais faire une autre vidéo sur le rouge. Du coup, aujourd'hui, c'est le prune. Du coup, voilà. Donc, il vient de chez Kiko. Il a 7 millilitres. Il a 7 millilitres. Et du coup, voilà. Du coup, je vais me l'appliquer et ensuite, je vous parlerai de ce vernis. Sur Instagram, comme ça vous pourrez vous l'acheter ou pas, si vous le voulez, comme ça vous aurez déjà mon avis, vous ferez votre propre avis. Alors déjà le packaging, vous avez vu sur Instagram qu'il y a des petites paillettes sur le packaging et je trouve que le packaging il est trop bien, enfin je le trouve trop beau, dites-moi. J'aime bien les choses simples en fait, du coup bah, les choses simples de la vie. Et du coup, je trouve que même s'il est très simple avec les petites paillettes sur le packaging, ça a fait très 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 joli. Du coup, je l'applique et on se retrouve après. On se retrouve. Je vais vraiment vous mentir. Moi, je vois qu'un vernis ne me plaît pas. Et il ne me plaît pas. Je ne sais pas si c'est la couleur, je ne sais pas si c'est le fait que je n'ai pas l'habitude de porter des vernis comme ça. Donc, il ne me plaît pas, mais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous mentir. Il ne me plaît pas. Voilà, comme ça je vous donne mon avis. Des fois il est positif, des fois il est négatif. D'habitude il est positif, là il est négatif. Je ne sais pas parce que, je sais pas si c'est la couleur qui ne me plaît pas ou si c'est tout simplement... Déjà, j'ai un point positif, le packaging me plaît beaucoup. La couleur me plaît moins. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme une couche transparente avec de la couleur. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai déjà un vernis de chez Kiko, qui est celui-ci. Lui, il m'avait beaucoup plu. C'est le Nail Liker. Excusez-moi pour mon accent pourri en anglais. Et il y a 11 millilitres à l'intérieur. D'ailleurs, il y en a plus que dans celui-là. Et je le trouve trop trop bien. J'aime trop cette collection. Celle-là, je la kiffe moins. Je sais pas, je pense que je vais la donner ou faire un autre, quelque chose d'autre. On testera bien le rouge. On verra bien dans une prochaine vidéo. Je vais la tester maintenant avec vous. Je vais voir si je l'aime celle-là. Sinon, je la donnerai parce que je les donnerai, je les garderai pas. Ouais, c'est cette couche un peu bizarre que j'aime pas. Voilà, ça fait une couche un peu transparente, bizarre. À l'écran, ça fait pas ça, mais je sais pas, je n'aime pas. Je vais pas vous mentir, la couleur est très belle. Je vais pas vous mentir non plus. La couleur est très belle, mais c'est cette couche un peu bizarre que j'aime pas. Que j'aime pas, j'avais pris un noir, je sais pas si je l'ai. Ouais, je l'ai donné, pareil, parce que ça faisait une couche transparente avec de la couleur en fait. Et ce que j'aime pas du tout, c'est ça. Et du coup, ces vernis-là, ils le font. Alors voilà, je pense que je vais le donner. Du coup, je suis un peu deg parce que j'aimais bien les. Voilà, j'aimais bien le packaging, je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, après que si cette couche un peu transparente, un peu
couleur comme ça va vous plaire. Voilà, vous pouvez vous les acheter, mais ma... Voilà, vous avez ma réaction directe, je trouve que c'est pas du top top qualité. Voilà, je... Après, peut-être c'est de bonne qualité, mais c'est pas ce que j'aime par-dessus tout. J'ai les vernis, du coup, voilà, je vais le donner. Enfin, je vais les donner, les deux. Et du coup, voilà. Du coup, je suis un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûtée. Là, je vais en mettre un autre que je kiffe. Par-dessus tout, du coup, c'est celui-là de chez Yves Rocher qui est. Oula! Vous avez chuté. Donc, c'est celui-là de chez Yves Rocher que je kiffe par-dessus tout. Je crois que je l'ai perdu, attendez. Donc je vous ai pris mes deux favoris, donc il y a ceux de chez Yves Rocher, je vous les conseille, mais je vous l'avais dit. Après il y en a, ils n'aiment pas ceux de chez Yves Rocher, moi je kiffe la marque Yves Rocher, c'est ma préférée comme vous avez dit dans l'une de mes vidéos. Voilà, eux c'est mes deux préférés, du coup il y a le 5 Saberou. Ah oui, sur ceux-là aussi, sur les Kiko, il n'y a pas la teinte en fait des vernis et c'est ça qui me plaît pas aussi. Comme je peux pas vous faire des bonnes vidéos sans que j'ai le nom en fait de ces produits. Du coup j'ai le 5 Sable Roux de chez Yves Rocher qui a 5 ml à l'intérieur et je le kiffe. Et il y a le 9 Mauve Jacinthe qui est trop bien aussi. Je l'avais mis, c'était la couleur que j'avais mis juste avant. Du coup on va mettre celui-là. Du coup voilà, je le kiffe. Lui il est trop bien, c'est le number one. Je sais pas parler anglais, je suis désolée. Et lui, je l'aime beaucoup trop. C'est mon préféré, mais mon préféré. Et j'aime trop comment il s'applique et j'aime trop leur prendre pour bien qu'il s'applique. Du coup, il est comme ça et je le kiffe. Vous allez voir que les couleurs plus claires me vont mieux. Et j'aime beaucoup. Du coup, voilà, je vous laisse pour cette vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire le montage de cette vidéo. Je vous en ferai plein aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!